La répétition poétique est un moyen de la structuration des vers et de la mise en relief des images poétiques. Bouquet du premier jour, lila-lila de Flandre, Aragon. Passe les jours et passe les semaines, Apollinaire. Sous le vent qui chasse, sous le vent qui chante, le vent de la mer, Réverdi. La mer toujours recommencée, Valérie. Au mois de floraison, mois de métamorphose, Aragon. Soir, soir, que de soir pour un seul matin. Que voulez-vous? La porte était gardée. Que voulez-vous? Nous étions enfermés. Que voulez-vous? La rue était barrée. Je crains pas cette nuit, je crains pas le sommeil, etc. Quant à la rime, elle peut être définie comme une répétition conventionnelle des sons à l'issue d'une ligne poétique. Toutes ces rimes forment une série de formes liées par des relations de similitudes sonores. La parenté phonique de certaines formes présente un risque de banalisation d'un texte poétique. Les rimes les plus faciles à trouver, les plus repérables et trop reconnaissables, privent la communication poétique de son caractère original et novateur. Un répertoire assez stéréotypé des rimes peut être illustré par la poésie suivante et sa traduction. Il se peut qu'un rêve étrange vous ait occupé ce soir, vous avez cru voir un ange et c'était votre miroir. Puisque l'original se borne à reproduire une rime assez banale, la traduction imite cette technique. Le rythme, la rime et l'assonance contribue à structurer l'architecture poétique. Il aurait voulu ce bouquet comme la gloire, jouer dans d'autres mers parmi tous les dauphins, et l'on tissait dans sa mémoire une tapisserie sans feu, sans fin, qui figurait son histoire. Il existe des variétés différentes de la rime, par exemple rime paire, c'est-à-dire couplet, ou rime croisée, rime nominale ou rime verbale. Et l'âme sans gloire qui demande à voir le fil de nos jours, chaque jour plus mince et le cœur plus sourd, les ans qui le pincent. Il existe aussi des vers libres qui se construisent sans rime, étant entièrement basés sur le rythme poétique. Le lexique traduit le sens du poème, alors que l'organisation métrique relate la tradition poétique à laquelle un poème s'inscrit. En général, moins le rythme est compliqué, plus le poème est proche du chant folklorique. Les deux quatrains du poème de Tartuffe. Dépêche-toi de rire, il est encore temps, bientôt la poêle frire, et adieu le beau temps. D'autres viendront quand même respirer le beau temps, c'est pas toujours les mêmes, mais il y a toujours des gens. La structure du poème cité repose sur la strophe à six syllabes typiques pour les chansons populaires. Les moyens d'expression familiers, encore « ya » accentuent cet aspect. Évidemment, le vers alexandrin, 8 syllabes, correspond à des structures poétiques plus compliquées. Les tropes et les figures dans le texte poétique. La structure imagée des poèmes inclut beaucoup de procédés stylistiques. La métaphore et l'épithète sont les tropes les plus répandues. Le texte poétique est par définition un texte métaphorique. La métaphore filée codifie l'information verbale et fait naître de multiples associations. La maison de vent. J'ai ma maison dans le vent sans mémoire. J'ai mon savoir dans les livres du vent. Comme la mer, j'ai dans le vent ma gloire. Comme le vent, j'ai ma faim dans le vent. Le poème cité permet de multiples associations en accentuant l'idée du vent en tant que symbole de la liberté et de l'inspiration. En même temps, l'information verbale suggère l'idée de la variabilité, de l'instabilité. Les aspects ludiques de la poésie. Le côté ludique de la poésie est lié avec ce qu'elle joue avec des mots et des formes afin de créer des effets esthétiques. Citons en guise d'exemple quelques fragments des poèmes de Prévert. Dans les coulisses du progrès, des hommes intègres poursuivent intégralement la désintégration progressive de la matière vivante.
le monde mental ment monumentalement. La poésie exploite aussi la disposition typographique des vers pour rendre l'image plus expressive et plus vivante. Par exemple, la silhouette de la voiture dans ce poème de Reverdy. La même voiture, vous voyez ici, voilà sur le matériel de la présentation, la même voiture m'a-t-elle emporté, je vois tout tu viens, tu tournes la tête, minuit sur la lune finit de sonner, au coin de la rue, tout est retourné. Et la conclusion. Nous n'avons analysé que quelques traits généraux de la spécificité stylistique des textes poétiques. Chaque texte poétique est unique dans son genre, mais il existe aussi des particularités stylistiques communes à toutes les productions poétiques. Ce sont avant tout le rythme et la rime qui constituent la spécificité du langage poétique. Le rythme du texte a aussi une grande importance pour la prose artistique, mais dans la poésie, son rôle devient décisif. L'aspect créatif de l'activité poétique tient au souci qu'a le poète de faire sentir au lecteur toute l'ampleur de ses émotions et toute la profondeur de ses idées dans l'unité de la forme esthétique de son œuvre et de son contenu cognitif et émotionnel.